Cours numéro 7, CMH et présentation de l'antigène. Organisation des gènes du CMH. Le complexe majeur d'histocompatibilité est une collection de gènes. Le CMH est situé dans le bras court du chromosome 6 et occupe un grand segment d'ADN. Le CMH est également appelé HLA, ou antigène leucocytaire humain chez l'homme et complexe H2 chez la souris. Dans les deux cas, les gènes du CMH sont organisés en régions codant pour trois classes de molécules. Les gènes de CMH de classe 1 codent pour des glycoprotéines exprimées à la surface de presque toutes les cellules nucléées. La fonction principale de ces produits est la présentation d'antigènes peptidiques endogènes aux lymphocytes TCD8. Les gènes du CMH de classe 2 codent pour des glycoprotéines exprimées principalement sur les CPA. Elles présentent principalement les antigènes peptidiques exogènes aux cellules TCD4. Les gènes du CMH de classe 3 codent pour un ensemble diversifié de protéines dont certains ont des fonctions immunitaires, mais qui ne jouent pas un rôle direct dans la présentation de l'antigène aux lymphocytes T. Les molécules de CMH de classe 3 ne présentent aucune similitude structurelle ou fonctionnelle avec les molécules de CMH de classe 1 et 2 classiques. Rappelons que la molécule de CMH de classe 1 est composée de deux chaînes, la chaîne polymorphe alpha qui contient la poche peptidique et la chaîne commune bêta-2 microglobuline. Seule la chaîne alpha qui est codée par les gènes CMH de classe 1. La bêta-2 microglobuline est codée en dehors du locus du CMH, sur un chromosome distinct, le chromosome 15 chez l'homme. Il existe trois gènes du CMH de classe 1 appelés HLA-A, HLA-B et HLA-C, qui codent pour trois types de molécules portant les mêmes noms. Les molécules de CMH de classe 2 sont composées de deux chaînes polymorphes, alpha et bêta, qui contribuent toutes deux à créer un site de liaison peptidique. La région de CMH de classe 2 contient trois locus chez l'homme appelés HLA-DR, HLA-DQ et HLA-DP. Chacun de ces trois locus sur chaque chromosome contient des gènes séparés désignés A et B, codant respectivement pour les chaînes alpha et bêta. Les gènes de CMH ont plusieurs caractéristiques qui seront abordées dans la prochaine vidéo.